Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter la Juke Odette. Odette, je sais pas comment le dire. Mais voilà. Donc je vais vous la présenter. Donc ben la voilà. Elle est blindée. Donc vous devez la connaître, hein. Normalement, parce qu'elle est sortie avant que je fasse la vidéo. Donc voilà, je vous mets le... Là où on peut l'acheter, donc dans Warstock. Et ensuite vous descendez et allez en bas. Allez, juste là, à côté du Martial. Donc je trouve ça, franchement, je trouve ça bizarre. Parce que je sais pas pourquoi ils l'ont mis à cet endroit-là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que normalement, tous les véhicules qui sortent, normalement, ils le mettent tous au début. Et là, ben non, ils l'ont pas mis au début, ils l'ont mis vers la fin, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai acheté. Elle coûte 665 000. Et voilà. Et moi, je l'aime bien. Moi, je l'ai acheté puisque je suis un ancien joueur. Je ne suis pas un ancien joueur. Alors, pour les anciens joueurs, ceux qui jouaient sur PS3, qui ont transféré leur compte PS3 sur PS4, peuvent l'acheter gratuite. Mais ceux qui n'ont pas pris leur compte PS3 sur PS4, qu'ils ont créé direct un compte sur PS4, eh ben on est obligé de l'acheter 665 000. Donc moi j'étais obligé de l'acheter parce que j'ai pas pris mon compte PS3. J'ai essayé de le prendre, c'est peut-être pas sûr parce que je sais pas si je connais mon code. Donc on va voir ça après. Je vais vous parler un petit peu de à quoi il sert, ce véhicule. Ce véhicule, il sert à être blindé à l'intérieur. Car avec comment ça s'appelle, avec une grenade ou une explosion sur le véhicule, elle résiste. Mais si tu lances deux explosions dessus, elle résiste pas. Donc tu lances une grenade, ça marche, ça reste. Et si tu en lances une deuxième, elle explose. Ça, c'est bien, c'est utile. Après, elle va hyper vite. C'est ça que j'aime bien dans ce véhicule, c'est qu'elle va vite. Et ensuite, c'est que elle est bien blindée, donc tu résistes à l'intérieur. Elle est bien blindée. Et moi j'aime bien ce véhicule pour ça, quoi, déjà. Et après, parce que je le trouve beau, vous voyez. Et voilà. Après, moi ce que je vous dirais d'améliorer le plus, c'est le blindage. Surtout le blindage, mettez-le à fond. Et le moteur pour la vitesse aussi, je vous dirais de le mettre à fond pour que ça soit bien, quoi. Donc il fait un beau bruit. L'avant, moi j'aime bien parce que quand tu éteins les phares, alors t'as double phare, t'as les phares du haut aussi, regardez, phare en bas, phare du haut. Et après, ce que j'aime bien, c'est que regardez les phares en bas, ça se ferme et moi je trouve ça vraiment magnifique. Après, on va faire un petit tour en bas, on va voir un... Je vais aller un petit peu sur la route, je vais voir un petit peu la vitesse qu'elle prend. Et aussi, ce qui est bien, c'est que quand tu tamponnes un PNJ, eh ben tu le pousses à 10 000 km/h. Et moi, j'aime bien sur les trucs comme ça. Et quand tu le blindes, regardez, il a rien eu. Donc ça, j'aime bien. Et après, ben voilà, je vais vous laisser sur cette vidéo, quoi. Je vais vous laisser à cet endroit-là. Bon. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Je sors tirer. Je sais pas si je reviens beaucoup sur YouTube. Parce que j'avais arrêté en ce moment. Depuis Noël, j'ai plus fait de vidéos. Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu dur. Mais pour les vacances, je pense que ça va aller. Donc, je vais pouvoir essayer de faire assez de vidéos. Je ferai des lives, tout ça. Peut-être. J'ai bien dit peut-être, ce n'est pas sûr. Donc sur ce, les amis, je vous laisse sur cette fin de vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.